Bonjour à tous, bienvenue dans le 12-45. Voici les titres de ce lundi 13 juillet. Elles sont jeunes, jolies et elles sortent leur premier album, les When We Were Young, un trio qui reprend des tubes des années 90 à découvrir à la fin de ce journal. Musique encore avec ce premier album pour un tout nouveau groupe, les When We Were Young, trois jeunes femmes qui chantent leur nostalgie des années 90. Alicia, Malika et Gladys revisitent des tubes qui ont marqué leur adolescence, des reprises qui risquent bien de rappeler de bons souvenirs, notamment aux trentenaires. Céline Maguet et Arthur D. Leur nom, When We Were Young. Particularité, elles sont restées bloquées au siècle précédent. Comme les Destiny's Child de Beyoncé, elles sont trois complices. Démocrie, mais pas de crépage de chignon entre Gladys, Malika et Alicia, car un point commun les unit, les années 90. C'est toute notre enfance, c'est là où on a commencé en fait à chanter, à danser, à apprendre anglais. Ouais. C'est la variété des genres, c'est la liberté à tout niveau, vestimentaire. Ouais, ça bougeait beaucoup dans les années 90, beaucoup d'infos, beaucoup de styles et ça paraissait très riche. Alors elles ont tout revisité, la pop de Ace of Base. Le rap de Notorious B.I.G. et le R&B de Brandy et Monica. C'est toute l'enfance, les booms, les soirées. Moi j'ai pensé que c'était les Spice Girls au début, mais on m'a dit que non. Trois nanas qui chantent, qui dansent en même temps, ça fait penser à ça, ouais. Ça fait penser évidemment au Girl Power, initié par les Spice Girls. Nos trois chanteuses reprennent des tubes et un concept, mais à leur sauce. On les a un peu personnalisés, on les a modernisés en fait. Parce que l'idée c'était pas de faire la même chose. Leur façon à elles de rendre hommage à une décennie. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez Scène de ménage. Prochain rendez-vous avec l'information ce soir, le 19-45, présenté par Marie-Ange Casalta. Très bel après-midi à tous sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6.